Seigneur. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à tout le monde. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour sa présence. Merci parce qu'il est vivant. Amen. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bienvenue dans l'émission Aleph Tav. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros. Nous allons commencer par présenter ceux qui sont avec nous, hein, pour ceux qui veulent se présenter. Alors, je vais commencer par celle qu'on voit à l'écran. Madi, elle va se présenter. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis la servante de Dieu, je l'aime et je l'aime. Voilà. Et puis c'est tout, je suis venue écouter la parole. Voilà. Amen. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille du frère Riol, du pasteur Riol, qui nous a quittés. Alors, Madi Riol, si vous avez entendu, qui est chanteur. Hein? Oui. Alors, elle va nous chanter le générique de l'émission tout à l'heure, parce que nous avons un nouveau générique. Oui. Elle va nous faire ça en a cappella. Hein. Je ne sais pas si ça se fait souvent à la radio, mais on va essayer de pouvoir en a cappella. Hein. Je suis celui qui est. Alléluia. Amen. C'est une transformation de Yahweh. Nous allons transformer ça en « Je suis celui qui est ». Alors, qui prend la parole? Il y a avec nous... Jacques Caquin, il y a aussi avec nous Dominique. Alors, je ne sais pas qui prendra la parole pour se présenter. Ah, il y a un bruit là, c'est Dominique peut-être. Vas-y Dominique, si tu veux te présenter. Ah, je crois qu'il y a un souci. Dominique. Je suis là, je suis content d'être parmi vous et puis je viens pour pouvoir partager ce qu'on a d'enseignement.
Amen. Alors, rapproche-toi du micro pour voir. Rapproche-toi du micro pour voir si. Attends, oui. Je vois que pas. Alors, il faudrait peut-être couper quelque chose. Alors, il y a un autre. Il y a un retour. Hein. J'ai mis la lumière, c'est mieux? Non, mais il y a un retour. Il y C'est mieux? a... il faut baisser ton retour. Comme ça? Vas-y. C'est bon? Là, c'est mieux. C'est Là, c'est mieux. bien là? Oui, là, c'est mieux. Là, on t'entend bien, on n'entend pas. Mais toi, tu nous entends. Je vous entends, moi. OK. Là, c'est parfait, on Je t'entend vous bien. entends. Voilà. Alors, il y a aussi Comme ça? Ok, d'accord. notre... le frère Jacques qui est avec nous, je voudrais se présenter s'il nous entend. Oui, voilà. Voilà. Alors, je dis bonsoir à tout un chacun. Bonsoir, Jaco, ça fait un moment. Ouais, comment vas-tu? Ça va? Yakov, Yakov. Le Ouais. talonneur, hein? Tu es un rugbyman. Le talonneur, Jacques. Voilà. Comment va? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va, avec la grâce du Seigneur. Alors, je crois que c'est Dominique hein, qui a ton son qui. Alors, quand tu ne parles pas, coupe ton micro, comme ça va. Parce qu'on entend les retours. Ton micro, il n'est pas coupé. Ouais. Ouais, ça vient de toi. Ouais. Oui, alors, Jacques, on te laisse te présenter. Hein. D'accord, un gros bonjour à tous chacun. C'est Bonjour. toujours une joie. Ouais, Jean-Luc, c'est dommage, je ne peux pas vous mettre ma caméra, OK. mais ce sera pour la prochaine fois. Mais on Un t'entend. grand bonjour à tous chacun. Et je suis bien content d'être parmi vous ce soir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, si tu veux intervenir pendant l'étude, alors comme tu n'as pas la caméra, tu nous envoies soit un pouce ou si on ne le voit pas, mais tu interviens. Parce que comme on ne te voit pas, on ne voit pas, tu ne peux pas lever la main. Voilà. D'accord, il n'y a pas de Si problème. tu veux, s'il y a une question ou tu veux porter une précision, il n'y a Merci. pas de souci. Alléluia. D'accord, merci. Alors, nous allons commencer déjà par le chant d'introduction de cette émission, parce que l'émission s'appelle Aleph Tav. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire, l'Aleph et le Tav. Personnellement, non. Voilà. Ah ben, l'Aleph, c'est la première lettre en hébreu, et Tav, c'est la dernière lettre. Et c'est cette expression, c'est cette phrase qui a été traduite dans le livre de l'Apocalypse par Alpha et Oméga. Parce que Alpha, c'est la première lettre en grec. Et Oméga, c'est la dernière lettre en grec. Mais c'est comme en français, la première lettre c'est A et la dernière lettre c'est Z. Mais Alpha se prononce A, mais Oméga se prononce pas Z. Oméga se prononce O. Oméga, ça veut dire le grand O, hein, parce qu'il y a deux O en grec. Il y a un qu'on connaît très bien avec le Covid, c'est Omicron. Ça veut dire c'est le petit O, parce que chaque fois il donnait une lettre de l'alphabet. Omicron, c'est le petit O. Et Oméga, mais ça veut dire c'est le grand Oméga. Voilà, c'est de là que viennent tous les mots qu'il y a méga, mégahertz, méga, quelque chose de méga. Voilà, c'est quelque chose de grand. Voilà. En hébreu, il y a un. J'ai un retour. Hein. En hébreu, là c'est bon. En hébreu, il n'y a pas de. C'est pareil en hébreu. En hébreu, le oméga ne correspond pas à la dernière lettre qui est en grec. Voilà, parce que la dernière lettre en grec, on l'a dit, c'est oméga. Mais la dernière lettre en hébreu, c'est tav. C'est T, c'est la lettre T. Alors, ils ont. En fait, ils ont fait une translittération, mais qui n'est pas la bonne parce que Oméga se prononce O et Oméga ne se prononce pas comme Tav. Voilà. Alors, c'est pourquoi l'émission s'appelle Aleph Tav. En fait, de remettre les choses en place parce que chacune de ces lettres, Aleph veut dire le commencement de l'alphabet et Tav, c'est la fin de l'alphabet en hébreu. Mais la fin de l'alphabet en hébreu et en grec, c'est pas pareil. Parce que la lettre Tav, eh bien, comment dire, a une signification qui n'est pas celle de Oméga. Oméga, ça veut dire le grand O, mais Tav, ça veut dire la marque, ça veut dire le signe. Hein, quand il est dit, eh bien, je mettrai ma marque sur votre front, ça veut dire c'est le Tav, c'est le T, c'est pas le O. Et quand on regarde,
La lettre qui correspond en grec avec le tav, c'est le tau, c'est le T. Et parce que c'est de là que vient le T, et vous voyez bien que le T ressemble à une croix. Parce que le tav, à l'origine, c'était une croix en hébreu. Alors, on voit aussi quand Christ dit « Je suis l'aleph et le tav », ça veut dire qu'il est le commencement et la marque, la fin. Mais on voit que le Seigneur, il a fini sa vie sur quoi? Sur une croix, sur un tav. Et c'est de là que vient l'expression que vous avez déjà entendue, le signe de croix. C'est-à-dire, le signe de croix, c'est pas comme font les catholiques ou les orthodoxes, tu vois, une grande croix. Non, c'est juste un signe, une croix sur le front. C'est ça, le signe de croix. Ça veut dire le signe du tav. Lorsque les anges marquaient du tav, c'était une croix. Hein? Peut-être tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer l'ancienne lettre, c'était une croix. C'est de là que vient cette expression de signe de croix. Un jour, j'ai posé à un prêtre la question, d'où vient cela? Il m'a dit, bon, je fais cela par tradition. Et si je lui ai expliqué d'où vient cela, il m'a dit, ah, il va falloir qu'il s'intéresse, qu'il aille fouiller dans les Écritures parce que les gens font ça par tradition, mais ils ne connaissent pas l'origine de cela. C'était une manière pour marquer ceux qui appartiennent à l'Éternel. Ce qui veut dire, c'est un truc qui existe avant que la venue de Christ, qu'on marquait du Tav. Hein, vous voyez dans Ézéchiel 9, vous allez voir que l'ange marquait du Tav. Hein, on l'a lu la semaine dernière. Amen. Alors, Maddy va nous chanter cela. Et puis, sentez-vous libre pendant qu'elle chante. Si vous avez envie de remercier le Seigneur, si vous avez envie de louer, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de Chanter en même temps. chanter en même temps, il n'y a pas de souci. Alors, je vais mettre le texte à l'écran. Je vais partager le texte à l'écran. Voilà. Ça. Alors, c'est bon. Alors, je suis celui qui suis. Hein? Au lieu de dire Yahweh, la signification de Yahweh, c'est je suis celui qui suis, ou je suis celui qui serait ou qui sera. Alors, on dira, tu es, je suis, qui je serai. Alors, pour ceux qui sont à l'écran, vous voyez bien les deux lettres là, c'est Aleph et Tav, la première lettre et la dernière lettre. Signifie le commencement et la fin. Voilà, c'est comme une lettre, il y a l'entête et puis il y a la signature à la fin. Alors, on t'écoute, Maddy. Tu es, je suis, qui je serai, donc. Tu es, je suis. Qui je serai, Amen. tu es, je suis, Suis qui je qui je serai, serai, tu es, je je suis suis, l'aleph l'aleph et le et le tav, tas tu es, je suis, l'aleph l'aleph et le et le tav. tas Tu es et Aya, Hachem Aya Hachem Ori Yeren Esai Aya, Hachem Hachem Aya Aya, tu es Aya, l'aleph et le Le tav, Tav tu es Aya Aya, l'aleph. Aleph Et le Le tas, Tav tu es, je Suis suis, qui je serai, Amen. qui Tu es, je es, suis, qui Tu je serai, Amen. tu es, je Je suis suis, la tête, l'autorité. Amen. Tu es, Tu es, je je suis suis, la la terre, tête, l'autorité. autorité. Tu es, Aya, Potin and leaving Lord and side leaving Lord. Hachem, Aya. Tu es Tu es, Aya, Aya Hacher Aya.
achève, Aïa. Tu es, Aïa, la tête, l'autorité. Amen. Tu es, Aïa, la tête, l'autorité. Amen. Tu es, je suis, qui je serai. Amen. Tu es, je suis, qui je serai. Tu es, je suis, le premier et le dernier. Tu es, je suis, le premier et le dernier. Tu es ailleurs, ailleurs. Amen. Tu es ailleurs, ailleurs. Tu es Aïa, le premier et le dernier. Tu es Aïa, le premier et le dernier. Oh, ma baïla. Tu es, je suis. Oui, tu es, je suis. Qui je serai. Tu es, je suis. Alléluia. Tu es, je suis, qui je serai, qui je serai. Tu es, je suis, commencement et fin. Amen, tu es le commencement et la fin. Tu es, je suis, commencement et fin. Oh, by being alone and shameless. Tu es ailleurs. Asher, Aya, tu es Aya, Asher, Aya, tu es Aya, commencement et fin. Amen. Tu es Aya, commencement et fin. Tu es, je suis. Tu es, je suis. Call it me in the shining lords. Tu es, je suis. Tu es, je suis. Oh, my beloved Lord, je suis. Je suis le salut, Yeshua. Amen. Tu es, je suis. Le salut, Yahushua. Hachem, Aya, Aya, Yeshua. Aya, Hachem, Aya, Yeshua. Amen. Tu es, je suis le salut, ô Yeshua. Amen, amen, amen. Tu es, je suis le salut, Yeshua. Encore, Haya Hasher. Haya Hasher. Haya. Haya Yeshua. Haya. Haya Hasher. Haya. Yeshua. Tu es, je suis le salut, Yahushua. Amen. Tu es, je suis le salut, Yahushua. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Pour sa grâce. Alléluia. Tu es le salut. Yéhoshua, amen. Yéhoshua veut dire je suis celui qui suis le salut. Amen. Yého, c'est je suis celui qui suis. Hein, c'est le tétagramme, c'est Yahweh, c'est Yahvé. Ouais. Mais Shua, c'est le cri en hébreu pour un appel au secours. Ça veut dire que je suis le secours, je suis le salut. Amen.
Amen. Lorsque quelqu'un se noie en Israël, il dit Shua, Shua. À ce moment-là, on appelle les secours, on appelle les pompiers. Ils ne disent pas autre chose. Ils ne disent pas Oméga. Ils ne disent même pas Jésus. Ils disent Shua. Alléluia. Amen. Parce que s'ils disent U, les gens ne vont pas comprendre. Parce que c'est une translittération, c'est une fausse translittération. Le mot Jésus, c'est une fausse translittération. La plupart de nos noms dans nos Bibles, ce ne sont pas les bonnes translittérations. Hein? Nous avons Jacques là, mais le vrai nom, c'est Yaakov. Et à moi, c'est Jean. Le vrai nom, c'est Yohanam. Hein? Marie-Madeleine, c'est Marie. C'est Myriam, Marie. C'est Myriam, voilà. Et Magdala, c'est le nom de la ville. Oui, Magdala. Hein? Vous avez plein de noms comme ça. Mais il y a très peu de noms. Par exemple, Dan. Voilà, Dan, on a gardé Dan. On a gardé Abraham, Sarah, lorsqu'il y a le H, Adam. Mais la plupart des noms, c'est lorsqu'ils ont fait la translittération en grec, ils n'ont pas gardé les lettres d'origine. Et ce sont les lettres d'origine qui donnent le sens au mot. Il n'y a pas Dominique hein, dans la vie. Il n'y a pas Dominique. Il n'y a pas moi non plus. parmi les nous sommes les six là, mais il y a trois noms bibliques, mais qu'on n'a pas gardé. Voilà, on n'a pas gardé le nom d'origine. Et c'est dommage, c'est dommage. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler des prémices. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup d'enseignements que nous sommes le premier mois de l'année, c'est le temps des prémices, etc., etc. Alors, je vais commencer par une question, c'est quand le premier mois de l'année dans le monde spirituel? C'est quand? Alors, Dominique, tu peux ouvrir ton micro? Il est encore fermé. Mais Jacques intervient parce que Dominique, son micro est fermé. Jacques, tu peux intervenir? On ne t'entend pas, Jacques, hein? Ni Dominique. Ah bon, bon. Madi, tu vas répondre parce que. Notre horloge, c'est Israël. Mm-hmm. Donc, c'est par rapport à Israël. Quand Israël fait ses prémices, donc le premier mois. C'est là que nous fêtons, que nous sommes, puisque toute l'horloge, puisque ce qu'on sait, c'est que les luminaires et tout obéissent à ce que Dieu avait fait depuis l'origine, et ça ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, Israël, c'est notre horloge, donc il suffit de suivre ce que Israël fait, et on est à la bonne horloge du temps, du temps fixé par Dieu depuis le début, puisque Amen. Dieu est hors du temps. Lui, il est hors du temps, mais il nous a donné. Il nous a fixé des temps. Donc, si nous respectons le temps d'Israël, puisque Israël a gardé les coutumes de la Torah et les fêtes ordonnées par l'Éternel. Donc, je pense que c'est Israël qui est l'horloge. Alors, mais c'est à quelle période? Est-ce que c'est en hiver? Est-ce que c'est au printemps? Est-ce que c'est en automne? Est-ce que c'est en été? C'est au printemps. Voilà. Printemps, après l'hiver est passé, comme dit dans Cantique des Cantiques. Ça y est, l'été commence. le printemps commence. Oui, c'est quand tout commence, tout recommence en fait. C'est ça. Et en hébreu, ce mot est printemps, c'est aviv. Oui. Aviv. Hein? C'est de ce mot que vient le mot Tel Aviv. Tel Aviv, ça veut dire, ouais, ça veut dire la colline du printemps. Colline du printemps, oui. J'ai cherché, j'ai vu ça. C'est magnifique. Voilà. Alors, c'est le premier mois de devant l'Éternel, c'est le mois d'Aviv. C'est le mois du la première saison, c'est le printemps. Et ce premier mois est appelé Aviv parce que c'est le premier mois du printemps. Excuse-moi, quand tu regardes colline du printemps, le sens pour moi, c'est que Israël représente la colline. C'est-à-dire
le phare du temps. Tu vois, puisque la colline, c'est ce qui est au-dessus de tout. Donc, tu vois le sens profond de même dans sa capitale, ça veut dire que c'est, tu regardes la colline et tu sauras quel, c'est quoi le temps. Donc, en fait, c'est elle qui nous dit que c'est le printemps, puisque c'est le... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est, tu vas l'expliquer. C'est-à-dire que... C'est l'horloge. C'est voilà, la colline du printemps, comme c'est leur capitale, la capitale, oui. C'est la première ville. Voilà, oui. Parce que normalement, la capitale, c'est Yerushalayim, mais avec tous les problèmes qu'il y a eu en Israël, actuellement, toutes les ambassades se trouvent à Tel Aviv. Oui. Et oui. Ils donnent le mot, dans le mot de cette capitale, ils mettent le nom du premier mois de l'année. Tu te rends compte? Et vous trouvez dans d'autres pays le nom de la première lettre de l'alphabet comme capitale. Par exemple, en Syrie, la capitale, c'est Alep. Hein, on dit Alep, mais c'est Aleph. Oui, c'est ça. Alors, mais on va dire, mais quel rapport qu'il y a entre eux, ce sont des Arabes. C'est, ils parlent arabe. Mais sachez que ce sont des pays qui étaient auparavant, avant qu'il y ait les musulmans, c'était la Syrie, c'est ce pays qu'on appelle dans la Bible le pays d'Aram. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Aram, ça vous dit quoi? Aram. Aram. Alors, Aram, je vais essayer de vous mettre sur la piste. Aram, c'est l'un des fils de Shem. Il y a Noé, il y a ses trois fils Shem. Ah oui, oui. Aram, c'est l'un des fils de Shem. Et c'est lui qui a donné le nom du pays. C'est lui, ses descendants. Alors, comment s'appellent les descendants d'Aram? Est-ce que vous avez une idée? Les descendants d'Aram. Alors? Ceux qui habitent la terre d'Aram. Araméen. Ah ouais. Araméen. Et c'est ce pays qui est la Syrie aujourd'hui. On dit que Christ a évangélisé la Syrie. Eh bien, il a évangélisé le pays des Araméens. C'est pourquoi Christ parlait araméen. Oui, il parlait araméen. Il a passé la plupart de son temps lorsqu'il a été chassé de... lorsqu'il est entré dans la synagogue, il était chassé, il est parti dans... Comment dire? Il est parti vers la mer de Galilée, comment ça s'appelle? Dans le pays, c'est un pays qui... Dans le pays, mais il y avait les... il y avait des païens qui habitaient là-bas. J'oublie le terme, c'est dans Matthieu 4 ou dans Matthieu 4. Et là, le Christ, après cela, il est parti en Syrie. Il est parti dans le pays d'Aram. Et Aram, ce sont des Shémites, mais qui parlaient araméen. Ils ne parlaient pas hébreu. Alors, c'est pourquoi l'araméen et l'hébreu est proche, parce qu'ils ont la même écriture. Mais les Araméens, ce ne sont pas des Juifs. Ce ne sont pas des Israélites. Ils sont quoi, là? Mais ce sont des Sémites, ce sont des Araméens, ce sont des Sémites. Mais ce ne sont pas des ils font pas partie, ce ne sont pas les descendants de Jacob. Ce sont les descendants de Shem, comme par exemple Ésaü, il est descendant d'Abraham, mais il n'est pas le descendant de Jacob parce que c'est le frère de Jacob. Donc, on peut être Shémite et puis ne pas être descendant d'Abraham. On peut être Shémite et ne pas être descendant de Jacob. Les descendants d'Ismaël sont descendants d'Abraham. Ce sont des Shémites. Les Arabes, ce sont des Shémites. Mais ce ne sont pas les descendants de Jacob. Mais c'est pareil pour les Araméens. Les Araméens, ce sont les fils d'Aram. Aram, c'est l'un des fils, l'un des fils de Shem. C'est le petit-fils de Noé. Et ce pays aujourd'hui, il n'existe pas. C'est pas l'Arménie aujourd'hui. Non, c'est la Syrie. La Syrie, d'accord. Et l'Arménie, c'est pas loin, non? C'est pas à côté. L'Arménie n'est pas loin, oui. Oui. Mais c'est la Syrie. D'accord. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, la ville, la capitale s'appelle Aleph. Alep. On dit Alep, mais ça se prononce Aleph. Oui, parce qu'ils ont enlevé le H.
Non, c'est-à-dire que le H et le P, c'est la même lettre en hébreu. Ouais. Alors, Ok, donc c'est c'est la la lettre. prononciation, qui change. D'accord. Mais c'est la même lettre. C'est comme Oui. V et B, c'est la même lettre, mais c'est la prononciation qui change. C'est pourquoi vous allez. Les Hébreux ne disent pas Abraham, ils disent Avraham. D'accord. Le B, ils le prononcent V à certains moments. Et comment ça veut dire que c'est ce pays-là s'appelle Alep, ça veut dire le commencement, Le non? commencement, Le c'est-à-dire que commencement? la capitale s'appelle le commencement. Le commencement, d'accord. Parce que c'était un pays araméen. OK. Voilà. Qui veut dire que l'histoire du Christ, souvent on dit que Christ, il est venu vers les païens parce que les Juifs l'ont rejeté. C'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on voit que Christ, il a été évangélisé. Parce que les Araméens, ce sont des païens. Ce ne sont pas des Israélites. Lorsqu'il est évangélisé, attends, on va essayer de prendre ça dans ce n'était pas prévu. On peut prendre Matthieu. On va prendre Matthieu. Matthieu 4, je pense. Matthieu 4. Et après, on va revenir dans notre thème. Parce que c'est très important. Parce que souvent, nous pensons que Christ, parce que les Juifs l'ont rejeté, s'est tourné vers les païens. C'est faux. Christ, il a évangélisé beaucoup les païens. Parmi les apôtres, il y avait des païens. Est-ce que vous pouvez citer un apôtre qui était païen, qui n'était pas juif de naissance? Simon, Voilà, Simon le Cananéen. ouais, Simon Pierre, Non, pas Simon-Pierre. Simon le Canadien, Oui, il y avait Simon le Cananéen. il y avait un ouais. autre aussi. Simon le Cananéen. Par exemple, quand tu dis Philippe, Philippot, Ouais, ce n'est pas un nom juif. Philippe, ce n'est pas un nom juif. Philippe. Alors, on peut voir ça où? Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du verset 12. C'est-à-dire, après la mort de Jean-Baptiste, alors là, c'est lorsqu'on l'a chassé du temple à Nazareth, il part dans le territoire de Capernaum. Alors, vas-y, et puis je vais donner des explications après. Tu peux lire à l'écran ou pas? Est-ce que quelqu'un. Mais Yeshua ayant appris que Yohanan avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zébulon et de Naphtali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshua. Ah, non, Non, par Yeshaya, c'est-à-dire c'est Yeshaya. Isaïe, ouais, c'est Isaïe, qui veut dire Ésaïe. pareil, ça ressemble à Yeshua, hein, parce que ça veut dire je suis celui Yeshaya. qui libère, c'est à peu près D'accord. pareil. Yeshaya, le prophète, en disant, la terre de Zébulon et la terre de Nephtali, de la contrée voisine de la mer au-delà de Yarden et de la Galilée des nations, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région, dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Dès lors, Yeshua commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Amen. Alors, ce territoire Amen. est en Israël, ce territoire est en Galilée, mais c'est une Galilée qui est habitée par qui? Regardez bien au verset 15. Les Galilées des La Nations. terre des Zébulon Non, et la terre des Nephtali, Zébulon, la ça, contrée ça, voisine. ce sont des noms des tribus d'Israël, de la Là, contrée voisine de la mer, au-delà du au-delà du Arden, c'est-à-dire du Jourdain. la Galilée des Nations. Et la Galilée des Nations. Nations. nations, ce qui veut dire la Galilée des païens. En hébreu, c'est la Galilée des goïms. En Galilée, il y avait une partie de la Galilée qui était habitée par des païens. Et lorsque Christ donne le serment sur la montagne, c'est de ce territoire. Qui veut dire que Christ, il a évangélisé. Il a évangélisé les nations en Galilée. Alors, la question, c'est, mais
que je pense que vous devez vous poser, mais comment à cette époque, comment il pouvait avoir des païens en Galilée? Je pense que c'est la question que vous vous posez. Hein? Vous vous posez cette question ou pas? Comment se fait-il qu'il y a des païens en Galilée? Est-ce que vous vous rappelez quand Christ a chassé le démon de Légion? Les démons, ils ont été où? Dans les ponts. Dans les Ah ports. oui, c'est vrai. Dans les ports, hein. C'est vrai? Et comment se fait-il qu'il y avait des ports? Parce que c'était le territoire des païens. D'accord. Parce que les Juifs n'ont pas de ports, même s'ils ne mangent pas. Les Juifs n'élevaient pas des porcs. D'accord. C'était des païens. Alors, mais comment se fait-il dans cet territoire, il y avait des païens? Alors, il faut remonter. Je n'ai pas pré sélectionné pour vous, mais je crois que c'est dans le livre des rois. Je ne me rappelle plus si c'est Oasis. C'est Salomon. Rappelez-vous, lorsque Salomon a fait construire le temple et le palais, il a fait appel à qui? Aux étrangers. Il a fait appel aux étrangers. Il a fait appel au roi de Tyr, Aram. Et ils ont ramené, c'est eux qui ont ramené le cèdre du Liban, etc. Parce que c'était des vrais artisans. Et qu'est-ce que Salomon leur a donné en retour comme récompense? Des terres. Il leur a donné ce territoire. Alors, les nations habitent ce territoire depuis la construction, après la construction du temple. Et D'accord. c'est pourquoi que Ésaïe a prophétisé que dans la terre des nations, c'est-à-dire ce peuple assis dans les ténèbres, c'est-à-dire les païens qui habitent le territoire de Zébouloun et de Nephtali, eh bien, ils verront une grande lumière. C'est Jésus, c'est Donc, Yahushua. c'est-à-dire que c'est l'évangélisation des païens en terre de Galilée. Alors, lorsque nous disons que Christ, parce que les Juifs, lorsqu'il est dit parce que les Juifs ont rejeté Christ, il s'est tourné vers les païens, c'est faux. Parce que dans son ministère, il a passé beaucoup de temps en Galilée. On pourrait dire qu'il a passé plus de temps en Galilée qu'à Nazareth. Il a passé plus de temps dans les territoires de Zébulon, Syrie. Je crois que c'est le même texte hein, qui dit qu'il est parti en Syrie. Après, je pense, est-ce que c'est ce texte même qui dit ça? Mais après cela, il a été en Syrie. Je ne me rappelle plus, est-ce que c'est ce texte qui le dit? Mais il est parti en Syrie, il est resté en Syrie, il a évangélisé en Syrie. Ce qui veut dire que le Christ n'a pas attendu la croix pour se tourner vers les païens. Parce que Oui. sa mission, c'est de sauver toutes les nations. Le Sa verset mission, 24. Le c'est le verset verset. 24 qui dit ça. Il, 24. alors, qu'est-ce qu'il est dit? Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Voilà. Et on lui emmenait tous les malades. La Syrie n'est pas un territoire, c'est le territoire d'Aram, ce ne sont pas des Israélites, ce ne sont pas des Juifs. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on ne fait pas attention lorsqu'on lit ça. Et on lui amena tous les malades Oppressé. oppressés par des maladies et des tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Et des grandes foules le suivaient Judée. de Galilée à la Décapole. à Décapole. Décapole, alors Décapole, alors, je ne sais pas si on peut voir Décapole là. Alors, je vais essayer de faire de façon pour qu'on puisse voir. Attends, Décapole. Attendez. Je vais faire monter comme ça pour voir. Alors, j'essaie d'agrandir. Décapole, ligue, Décapole, ce qui veut dire 10, hein. Ça veut dire 10 villes. Ligue des 10 villes, une zone de territoire ainsi appelée à cause des 10 villes qui s'y trouvaient de l'est du Ardennes, du Jourdain, selon l'écriture et naturaliste romaine, Pline, l'ancien, etc.
des villes, Damas, voilà, vous voyez le nom des villes, Damas, oh, tout ça, ce sont des villes païennes. Philadelphie, Yafana, Raphana, Sitopolis, Gadara, Gadara, Dion, Pella, Gerasa et Kanata. Ces villes-là, hein? J'ai bien fait de cliquer sur Décapole pour qu'on puisse voir les noms des villes. Ce sont des villes païennes. Hein? Amen. Alors, cette doctrine qui dit que parce que les Juifs ont crucifié le Christ, s'ils n'avaient pas crucifié le Christ, les Juifs n'avaient pas crucifié le Christ ne se serait jamais tourné vers les païens, c'est faux. Il était déjà. Il a passé beaucoup de temps de son ministère chez les païens. Et c'était l'un des reproches qu'on lui faisait. Hein? Parce que quand il mangeait avec les gens de mauvaise vie, eh bien, c'est parce qu'il mangeait avec les païens. C'est pas seulement des gens de mauvaise vie qui sont juifs, mais des gens qui sont de d'autres nations. Rappelez-vous, à Jérusalem, lorsqu'il est entré qu'il soit reçu comme le jour des hameaux, hein. C'est pas le ça s'est pas fait un dimanche, hein, mais le jour des hameaux. Après, il est entré dans le temple. Qui est venu l'interroger? Ce sont des Grecs. Ils sont allés voir qui? Ils sont allés voir Philippe. Et Philippe a été voir André. Et ils sont allés voir le Christ pour lui poser une question. Qui veut dire qu'il y avait beaucoup de païens qui se convertissaient au judaïsme, mais il y a eu des païens qui se sont convertis au message du Christ. Amen. Amen. C'est un peu clair ou pas? J'ai Oui, dit. ça va, ça va. Non, c'est pour te dire que des fois, nous disons des choses, bon, on répète de génération en génération, Sans savoir, voilà. parce que bon, c'est pas notre culture, et c'est pourquoi je dis que c'est le fait qu'ils ont mis Syrie, mais s'ils avaient mis Aram, peut-être ça nous aurait peut-être fait quelque chose. Même lorsqu'ils mettent Syrie, c'est pour nous aider. Mais malgré cela, on ne fait pas attention parce qu'on a déjà un truc dans la tête. On ne voit pas que Christ, il a été en Syrie évangélisé. Amen. Alors, nous allons passer avec notre thème parce que si on commence, ça ne va pas finir. Hein. Je ne sais pas si vous voulez réagir et après on passe au thème. De toute façon, je veux dire, la Syrie, ça fait partie d'Israël. J'allais dire, par rapport lorsque Dieu, lorsqu'ils ont appelé Jacob Israël. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Lorsqu'il appelle Allô? Jacob Israël, oui. 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 Donc tout ça, c'était des territoires. La Oui, 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 Syrie, oui, oui. Israël, la Syrie, l'Iran, tout ça. Le Liban. Alors, Je le Liban, voilà, le Liban. Le Liban. Alors, parce que c'est pas quand il a appelé Jacob, la Syrie et Israël. Tu peux couper ton retour? Oui. Alors, là, on est en retour. Hein. Coupe, Si coupe je ton micro. Voilà. retour, très Voilà. fort. Là, tu m'entends? Là, c'est mieux. C'est bon, là. C'est bon, là. Ouais. Il vaut mieux mettre le casque parce que là, c'est bon. Je t'entends là. Alors, en fait, quand il a appelé, je disais quoi? Jacob. Quand il a appelé Jacob. déjà Abraham, il a promis Abraham une terre. Alors, cette terre, la Syrie ne fait pas partie de cette terre. Aram ne fait pas partie de cette terre. Parce que bon, on ne va pas s'étaler dessus, mais il faut remonter au moment de la séparation des terres. Et dans le livre de la Genèse, on ne nous dit pas tout concernant les séparations des terres
entre les trois fils de Noé. C'est-à-dire Japheth, Shem et Ham. Ham, c'est le père de Canaan. Alors, en gros, les trois devaient être le père de trois continents. Japheth devait être le père de tout ce qui est au nord de la Méditerranée. Les enfants de Ham, hein, on met Cham, mais c'est Ham, lui, c'était tout ce qui est l'Afrique, jusqu'à la limite de l'Égypte. Et le reste, entre les deux, tout ça, c'était pour les fils de Shem. Et Shem, il avait quatre fils, hein, je n'ai pas préparé pour vous. Et il y avait Arpachad, il y avait Aram, voilà. Alors, et lorsque, après la tour de Babel, lorsque les hommes se sont dispersés, eh bien, les fils de Japheth, ils ont été au nord. Les fils de Shem, ils sont restés, eh bien, disons, l'Asie. Hein? Parce qu'on dit souvent que l'Afrique, c'est le berceau du monde, mais ce n'est pas l'Afrique qui est le berceau du monde. Le berceau du monde, c'est l'Asie. Le jardin d'Éden était en Asie. Hein? L'Euphrate se trouve en Asie. Le Tigre se trouve en Asie. La tour de Babel était en Asie. Hein? Babylone se trouve en Asie. Babel se trouve en Asie. Alors, mais parmi les fils de Cham, de Ham, il avait quatre fils. Il y a trois qui ont pris les territoires de l'Afrique. Il y a eu le père de l'Éthiopie, il y a eu le père de la Libye et le père de l'Égypte, hein, Mithraïm. Et le quatrième fils, qui était Canaan, lui, il n'a pas été habité le territoire de l'Afrique avec ses frères. Ses descendants ont pris la terre, une partie de la terre des fils de Shem, qui est la terre de Canaan, qui est devenue la terre de Canaan, qui est devenue la terre d'Israël. Et c'est pourquoi le Seigneur a appelé Abraham pour récupérer la terre qu'il avait promis à ses ancêtres. Mais cet épisode n'est pas raconté dans le livre de la Genèse. Vous pouvez le trouver dans le livre de Jubilé ou le livre des Justes. Ah, c'est pourquoi que le Seigneur, il demande de prendre ce territoire. C'est vrai que aussi, et comme il s'appelle Canaan, disons Cham, comme il avait vu la nudité de son père, le Seigneur avait dit que Shem allait dominer sur Canaan, mais il n'a pas dit que Shem allait dominer sur Ham. Il a dit juste sur un seul fils. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les fils de Canaan, eh bien, ils ont pris la possession du pays qui revenait à Shem. Et c'est juste ce territoire que le Seigneur a promis à Abraham de récupérer. Voilà, c'est un peu ça. Mais la Syrie, tout ça, c'est plutôt des fils de Ham. La Syrie, le Liban, même la plupart des... Comment dire? Les enfants de Jacob. Jacob, ses filles, c'était les filles de Laban. Laban veut dire le blanc, comme Liban, ça veut dire le blanc. Je crois, Dominique, il faut couper ton retour, parce qu'il y a un retour. Ok. Laban. Encore? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Laban, qui veut dire que Laban, on te dit Laban, l'araméen. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. On nous parle de Laban, l'araméen. Parce que Laban était descendant d'Aram. Qui veut dire qu'il y a une fusion entre les Hébreux et les Araméens depuis le temps d'Isaac. Parce qu'Isaac, c'est dans ce territoire qu'on a été chercher une femme pour lui. Et c'est dans ce territoire que Jacob a été chercher sa femme. Alors, il y a eu cette culture araméenne et hébreu qui a commencé dès cette époque. Mais les autres araméens,
ils sont pas entrés dans la lignée d'Israël, ils sont pas entrés dans la lignée de Jacob. Mais les Araméens, ils existaient depuis avant Jacob. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. C'était long, mais comme ce sont des sujets que ce n'est pas précisé dans la Genèse. Ça... C'est pas précisé dans la Genèse. C'est lorsqu'on lit d'autres livres qui parlent de l'époque de la Genèse qu'on découvre pourquoi le Seigneur a envoyé Abraham dans ce territoire. On nous dit, mais parce qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'il ne pouvait pas l'envoyer Abraham ailleurs? Il y a déjà du monde. Non, c'est parce qu'il y avait une promesse, il y avait un serment qui avait été fait. Et peut-être on va en parler peut-être à la fin de notre étude. Et c'est ce jour-là, comment dire, il y avait un serment qui avait été fait. Et Canaan n'a pas respecté le serment. Il n'a pas pris la terre qui lui était promise. Il a pris la terre de notre. Qui veut dire que les Cananéens ne sont pas les ancêtres des Africains. Les ancêtres des Africains, ce sont les frères de Canaan. Ce sont les trois frères. C'est eux qui ont peuplé l'Afrique. Alors, lorsqu'on parle de la malédiction de Cham et en pensant aux Noirs d'Afrique, non, il n'y a aucun lien. Parce que les Africains n'ont pas le sang de Cham. Alors, et Cananéen, ça veut dire terre basse. Qui veut dire que lui, il devait habiter la terre basse. Il devait habiter le sud. Le bas de la Méditerranée. La Méditerranée, ça veut dire le milieu. Méditerranée, milieu. C'est pourquoi il y a certains qui s'appellent Média, etc. Et Canaan, il n'a pas pris la place qui lui était réservée. Il devait habiter depuis la Syrie jusqu'à l'Atlantique. Et ce territoire aujourd'hui est pris par les Arabes, les Algériens, etc. Mais normalement, c'était la terre de Canaan. C'est là que Canaan devait être. Ben, un autre jour, on aura le temps de parler de ça parce que... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire dessus. Amen. Amen. Merci. Ouais. J'ai été un peu long parce que comme ce sont des sujets qui sont pas faciles à expliquer, et voilà. Amen. Amen. Alors, nous allons parler des prémices. Alors, j'avais commencé pour dire que quand commence l'année, eh bien, l'année commence... Au printemps. L'année commence au printemps. Alors, même en Israël, vous avez une année civile qui commence en automne, mais toujours à l'équinoxe de l'automne. Et puis, vous avez une année qui commence au printemps, ce qui est l'année religieuse, l'année ecclésiastique, qui veut dire qu'Israël fixe ses fêtes en fonction de la première lune au printemps. Il ne fixe pas ses fêtes en fonction de son calendrier civil. Le calendrier religieux. Qui veut dire que les chrétiens, si nous partageons, si nous avons le même Dieu, le même Elohim qu'Israël, on devrait fixer les fêtes chrétiennes à partir du printemps. Si Christ vient d'Elohim, il ne peut pas dire à Israël de faire une date et puis nous, notre date. Il ne peut pas dire que la Pâque, c'est tel jour et puis les Juifs, la Pâque, c'est un autre jour. Il ne peut pas dire que les prémices, aujourd'hui, nous allons nous arrêter que sur les prémices, il ne peut pas dire que les prémices, c'est telle date et puis que les chrétiens, vous choisissez la date que vous voulez. Les prémices, ça fait partie des moadim, ça fait partie des temps fixés. Ça veut dire que ce sont pas des temps décidés par les Israélites, décidés par les Juifs. C'est le Seigneur qui leur a imposé cette date-là. Qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter juste sur le temps. À quel moment se font les prémices? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir et puis dire, comme... Dans tel pays, l'année commence en été ou en hiver. Eh bien, dès que c'est le premier mois de telle année, non. À l'époque de Moïse, ils avaient un calendrier. Puisque le Seigneur dit que ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Ça veut dire qu'eux, ils suivaient notre calendrier. Et en Égypte, on suivait un calendrier qui était basé sur le Nil.
Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le calendrier nilois, comment ça s'appelle, mais c'est un calendrier basé sur le Nil, basé sur les crues du Nil. Parce qu'à chaque période, à la même époque, le Nil était en crue. Alors, leur calendrier était basé en fonction du Nil, parce que c'est le Nil qui leur donnait à boire et à manger. Parce que le Nil, c'est long, mais c'est un moyen de navigation, c'est un moyen pour les marchés. Il veut dire que lorsque le Nil est en crue et lorsque le Nil n'est pas en crue, c'est pas la même, comment dire, c'est pas la même organisation. Qui veut dire que tout était organisé en fonction du Nil. Et le Seigneur, il fait appel à Moshe dans ce contexte que Israël suit le calendrier du Nil. Alors, ce calendrier, il n'y a pas de jour de Shabbat, il n'y a pas de jour de repos. Israël travaillait 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Alors, lorsque le Seigneur les libère, et le Seigneur les libère, pourquoi? Pour qu'ils puissent offrir, pour qu'ils puissent faire 3 jours de marche et pouvoir offrir un sacrifice, un culte à Elohim. Et c'est là que le Seigneur apprend à Moïse, c'est quand est-ce qu'il, c'est quand qui est le Shabbat. Et avant, ils ne savaient pas quand est-ce que c'était Shabbat parce qu'ils travaillaient 7 jours sur 7. Et l'un des signes que le Seigneur leur donne pour connaître le jour du Shabbat, c'est quoi? Et le sixième jour, il y avait Le sixième jour, il y avait la manne deux fois. deux fois plus. Il y avait l'écaille deux Deux fois fois plus. plus. Et le jour du Shabbat, Il n'y avait il n'y rien. avait rien. Et c'est comme ça les Israélites ont appris le cycle des 7 jours. Alors nous, les chrétiens, on vient dire, bon, il y a Shabbat, c'est aboli, etc. On oublie qu'Israël ne savait même pas. Avant la révélation, ils ne savaient même pas quand c'était le septième jour. Parce qu'avec les astres, vous ne pouvez pas regarder la lune, vous ne pouvez pas regarder le soleil et vous dire, ah, aujourd'hui c'est le septième jour. Ah, demain. Non, avec les astres, on peut dire quand est-ce qu'on commence l'année. On voit que c'est tel équinoxe. Mais scientifiquement, tu ne peux pas dire que la semaine a 7 jours, ou la semaine a 8 jours, ou la semaine a 20 jours. Scientifiquement, c'est impossible. Il faut une révélation. Alors, dans le calendrier du pape Grégoire, le calendrier grégorien que nous suivons, nous voyons que le dimanche est le septième jour. On pourrait dire que c'est un manque de crainte du Seigneur. Parce qu'on oublie qu'il a fallu une révélation pour connaître l'ordre des jours. Vous voyez comment c'est grave. Alors, et pour revenir sur les prémices, alors les prémices, c'est au printemps. Alors, on va lire déjà dans Exode 22, pour voir Exode 22, verset 28, jusqu'à 29. Lis, s'il te plaît. Tu ne tarderas pas à m'offrir la plénitude de tes jus. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras la même chose de ta vache, de ta brebis et de ta chèvre. Il sera 7 jours avec sa mère et le huitième jour, tu me le donneras. Amen. On voit que le Seigneur, il tient à voir les premiers-nés. Mais c'est quand est-ce que tu offres ces premiers-nés? Est-ce que tu l'offres à n'importe quel moment? Là, on voit le mot, le huitième jour, tu le donneras. Et on sait, bon, par ailleurs, que pour les hommes, on faisait la circoncision. Mais la circoncision, c'était pour tous les hommes. Mais là, il est parlé du premier-né. Alors, c'est quoi le premier-né? Alors, lisons aussi Exode 13, versets 10 à 16. Tu observeras ce statut au temps fixé d'année en année. Et il arrivera quand je suis celui qui suis
t'aura fait entrer en terre des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qui te l'aura donné, que tu consacreras à Je suis celui qui suis, ton premier-né qui ouvre la matrice, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiendront à Je suis celui qui suis. Tu rachèteras avec un agneau ou un chevreau tout premier-né de l'ânesse, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'être humain parmi tes fils. Il arrivera que quand ton fils t'interrogera à l'avenir en disant « Que signifie cela ?» Tu lui diras « C'est par la force de sa main que Je suis celui qui suis nous a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. » Il est arrivé que Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, alors Je suis celui qui suis a tué tous les premiers-nés en terre d'Égypte, depuis les premiers-nés des humains jusqu'aux premiers-nés des bêtes. Voilà pourquoi je sacrifie à Je suis celui qui suis tout premier-né mâle qui ouvre la matrice, et je rachète tout premier-né de mes fils. Cela deviendra un signe sous ta main et un fronteau entre tes yeux, car c'est par la force de sa main que Je suis celui qui suis nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Alors, cela deviendra un signe, ça veut dire cela deviendra une marque, cela deviendra un tav, hein, c'est la lettre tav, sur ta main ou sur le fronton entre tes yeux. Hein, le fronton, c'est sur le front. Cette fête des prémices. Alors, cette fête des prémices, c'est que pour les mâles qui ouvrent la matrice. C'est pas pour tous les mâles. Hein. C'est que pour l'aîné des garçons. Si le garçon, si l'aîné est une fille, c'est pas pour la fille. Si le garçon, il est le dernier, eh bien c'est lui qui sera consacré. Il veut dire que c'est lui qui sera le père spirituel de la famille, si vous voulez. Alors, comme nous avons beaucoup de textes à lire, alors, il y a une confusion pour le jour des prémices. Et on peut le voir dans le livre, toujours Exode 23, versets 14 à 19, parce que c'est quand les jours des prémices? Lorsque nous lisons ce texte dans Exode 23, versets 14 à 19, ce n'est pas toujours évident. Alors, je vous ai mis des couleurs, et puis nous allons revenir dessus. Nous allons lire parce qu'on a un petit peu de retard, et puis on va revenir dessus. Alors, la confusion et la méconnaissance des prémices. Et nous allons voir, même les Juifs d'aujourd'hui ne font pas les prémices à la date des prémices. Et là, nous allons voir, c'est quand la date des prémices? Ah, tu peux lire Maldi ou pas? Oui, j'essaie de voir. C'est écrit tellement petit. Ah, bon, Lynn va lire. Oui, c'est écrit trop petit. Trois fois par année, tu me célébreras une fête. Tu peux lire. Trois fois par année. Qu'est-ce qu'il a dit, Jacques? Non, vas-y. Il a dit quelque chose, Jacques. Non, pas à toi. Vas-y. Tu garderas la fête des pains sans levain. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je t'ai ordonné, au temps fixé au mois d'Abib, car c'est en ce mois-ci que tu es sorti d'Égypte. Mes faces ne seront pas avides. Et la fête de la moisson... Alors, ton micro, Dominique, si tu peux couper. Non, c'est encore... Voilà, c'est bon. Voilà. Et la fête de la moisson, celle des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte après la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs le produit de ton travail. Trois fois l'année, tous les mâles seront vus aux faces du Seigneur, je suis celui qui suis. Tu ne sacrifieras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé et la graisse de ma fête
ne sera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de Je suis celui qui suis ton Elohim les prémices de tes premiers fruits du sol. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Alors, on a lu beaucoup de choses. Alors, lorsque on lit ça, c'est du charabia. C'est du charabia. Mais lorsque on a étudié à quel moment les prémices, alors pourquoi je vous ai mis en différentes couleurs pour voir que là, on est en train de parler des périodes différentes. Parce que lorsqu'on parle des prémices à la moisson, et après on nous parle la récolte à la fin de l'année, prémices, moisson, c'est la même chose. Mais là, c'est ce qui veut dire que ce sont deux périodes différentes. Alors déjà, il est dit trois fois par année, tu célébreras une fête. Alors, les fêtes qu'on célèbre, c'est la fête des pains sans levain. Hein. Le 14, c'est la Pâque. Le 15 jusqu'au 21, c'est la fête des pains sans levain. Voilà, cette partie-là, je vous ai mis en bleu. À partir du verset 16, là, c'est une autre fête qui commence. Et la partie violette est la fête de la moisson, celle des prémices de ton travail. La fête des prémices, c'est la fête de la moisson. Amen. Et il est dit à la fin, la partie qui est en vert, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. Après. Qui veut dire que après la fin de l'année et la fête de la récolte après la fin de l'année. Il veut dire que c'est deux fêtes agricoles, mais qui sont séparées. Et des fois, on confond la fête des prémices, etc., parce que le mot moisson et récolte, ça veut dire la même chose. Alors, pour être clair, la fête de la moisson, c'est la fête de la Pentecôte. Parce qu'il y a trois fêtes de pèlerinage. C'est la fête des pains sans levain avec la Pâque, la fête de Shavuot, la fête des semaines et des prémices, et la troisième fête qui est la fête du tabernacle. Ce sont les trois fêtes de pèlerinage. Et c'est à la fête du tabernacle qu'on fête la fête de la récolte à la fin de l'année. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la première partie du verset 16. Mais la deuxième partie du verset 16, ce n'est pas à la même époque. Qui veut dire que les prémices, c'est à la fête de la moisson. Et la fête de la moisson, c'est à la Pentecôte. Alors, on peut voir cela dans Exode 34. Exode 34, on peut lire le verset 19, mais à partir du verset 19, mais nous allons lire juste le verset 22. Tu feras la fête des semaines, la fête de Shavuot, c'est cette fête qu'on appelle Pentecôte, des prémices de la moisson du froment. Et aujourd'hui, même les Juifs ne font pas les prémices à la fête de la moisson, de la fête des semaines. Qui veut dire que la fête des semaines, qu'on appelle Pentecôte, et la fête des prémices se font en même temps. Et il est dit, verset 23, trois fois à l'année, tous les mâles seront vus en face du Seigneur, je suis celui qui suis l'Élohim d'Israël. Et puis au verset 26, il dit, tu apporteras les prémices des premiers fruits du sol, de la maison de je suis celui qui suis ton Elohim. Et à la fin, il est dit, écris ces paroles, hein, parce que Moïse, il était sur la montagne à ce moment-là, il était monté pour faire les 40 jours. Écris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que j'ai traité alliance avec toi et Israël. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La base de ces paroles. Mais quelles paroles? Eh bien, ces paroles se trouvent un peu plus un peu avant, c'est dans le chapitre 21, chapitre 21 jusqu'au chapitre 23. Le Seigneur demande à Moïse, après avoir donné les 10 paroles, il donne à Moïse des commandements et il dit à Moïse, après le verset 23,
au chapitre, après le chapitre 23, le chapitre 24 d'Exode, Moïse, il fait une alliance avec Israël et Elohim. Et on peut voir cela dans Exode 24, à partir du verset 4. Mais la partie qui nous intéresse, c'est le verset 8. Et Moïse prit le sang et aspergea le sang, aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que je suis celui qui suis à traiter avec vous selon toutes ces paroles. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur rappelle à Moïse dans le chapitre 34. Le chapitre 34, c'est bien ça, hein? 34 au verset 27. C'est-à-dire que le jour des prémices, c'est le jour que le Seigneur a fait alliance avec Israël. Le jour que le Seigneur a fait alliance avec Israël, ce n'est pas le jour qu'ils ont reçu les 10 commandements. Mais c'est le jour dans le chapitre 24, Moïse a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et il a pris la moitié du sang, il a aspergé dessus. Hein? Amen. Le sang de qui il a pris d'un animal. Oui, le sang d'un animal. Et il a dit, et il envoie des jeunes hommes, fils d'Israël, vire monter des holocaustes et qui sacrifièrent des jeunes taureaux en sacrifice d'offrande de paix. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, c'est-à-dire ce livre, ses écrits sont du chapitre 21 d'Exode jusqu'au chapitre 23. Il prit ce livre-là et il le lut aux oreilles du peuple et il dit, nous ferons tout ce que je suis celui qui suis a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple. Hein? Il a aspergé l'autel, mais il a aspergé aussi le peuple. C'est pour l'alliance, le sang de l'alliance. Mm-hmm. L'alliance avec le livre. Mm-hmm. Mm-hmm. Et le jour des prémices, ça devrait rappeler déjà ce moment-là. Mm-hmm. Le jour de l'alliance. Le sang. Le sang sur le livre. Pour faire le lien avec le peuple. Mais ça, Moïse n'avait pas encore reçu les tables. Les 10 commandements, non. Ils avaient reçu seulement audiblement dans le chapitre 20. Et c'est à la suite de ça que Moïse, il monte sur la montagne. Qui veut dire le jour des prémices, c'est le jour des prémices que Moïse a fait alliance avec le peuple et Elohim. Et c'est ce même jour, on va voir pour la gerbe après, on va revenir dessus, c'est ce même jour qu'il monte sur la montagne. Alors, pour cela, c'est dans le livre de Jubilé, dans le livre de Jubilé, tu peux lire. Et cela arriva. Jubilé 1, verset 1. Et cela arriva le 16e jour du 3e mois. Dans la première année d'Exode, des enfants d'Israël hors d'Égypte, Elohim parla à Moïse disant, monte vers moi sous la montagne et je te donnerai la loi et le commandement que j'ai écrit sur deux tablettes de pierre afin que tu les instruises. Moïse monta sous la montagne de Elohim, la gloire du Seigneur se répandit sous la montagne de Sinaï et une nuée la couvrir pendant 6 jours. Amen. Alors, cette partie était racontée dans le livre d'Exode, que Moïse, à la suite, quand il a fait l'aspersion du sang, il est monté sur la montagne, mais on ne nous donne pas la date. Tandis que dans le livre de Jubilé, on nous donne la date. Cela arriva le 16e jour du 3e mois, qui veut dire que cette année-là, le jour des prémices, c'était le 16, c'est-à-dire environ la moitié du troisième mois. Qui veut dire que lorsque Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, le 16 était le premier jour des 40 jours. Et tout à l'heure, nous allons faire
lorsque nous allons arriver à Christ, là nous voyons que ce jour-là, le jour des prémices, c'était le premier jour de Moïse sur la montagne, parce que c'est ce même jour qu'il a aspergé le sang, puis après, le même jour, il est remonté sur la montagne. Mais Christ, la première fois que les prémices sont célébrées dans les évangiles, c'est quand? Quoi? Alors, je vous pose une question. Alors, la première fois que les prémices, le jour de Shavuot, et peut-être c'est pas mentionné, mais est célébré. Alors, plusieurs diront, mais les prémices ici, les prémices, c'est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, oui. Mais ça, c'est... La Pentecôte, c'était au moment où Christ était déjà parti. Oui, c'est vrai. Alors, tout à l'heure, là, nous avons vu que lors des prémices, on offre quoi? Les premiers mâles. Mm-hmm. C'est-à-dire le premier mâle qui sort de la matrice. Oui. Amen. Donc, Christ. Le jour de la crucifixion? Non. Pas le jour de la crucifixion? Non. Le premier mâle. À quel moment dans les évangiles on nous parle que le premier... Christ, est-ce qu'il était le premier mâle? Oui. C'est le premier mâle de Marie? Ben oui. Ben oui. Qui veut dire que selon la tradition, s'il est le premier mâle, lui, il devait être offert comme prémisse. Ah oui. À sa naissance. À sa naissance, mais à quel moment? Mais le jour des prémices, 40 jours après. Voilà. Oui, 40 jours après sa naissance. Le 40e jour de Christ, il a été présenté où? Au temple. Au temple, oui. Parce que les prémices se font au temple. Alors, lisons cela dans Luc 2, verset 25. La première fois que les prémices sont mentionnées dans les évangiles, ce n'est pas à la Pentecôte, mais c'est lorsqu'il a eu 40 jours. C'était un jour de prémices. Parce que tu ne présentes pas les prémices à n'importe quel moment. Tu présentes au moment qu'on présente les premiers-nés. Ce n'est pas comme nous, on appelle le pasteur, « Pasteur, je veux présenter mon fils, je veux présenter ma fille. Est-ce que ce dimanche-là, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que dans le programme? » Non. C'est une fois par an, tous les premiers-nés d'Israël, ils vont à Jérusalem et on les présente. Christ, ce jour-là, il n'était pas le seul. Même si les évangiles ne disent pas cela, parce que c'était tous les enfants qui avaient minimum 30 jours et maximum un an, mais tous les enfants premiers-nés, tous les premiers garçons. Hein. Premiers garçons. Et l'évangile de Luc, eh bien, cet événement se passe à Shavuot, à la Pentecôte. Alors, lisons cela, Luc 2, verset 25. Jusqu'au verset... Ouais, déjà, commençons au verset 25. Et voici, il y avait à Yerushalayim un homme appelé Shimon. Shimeon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. Et il vint dans le temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yehoshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah. Alors, ils emmènent Yeshua au temple pour accomplir quoi? Ce qu'ordonnait la Torah. Qu'est-ce qu'on donne la Torah? Mais tous les premiers mâles, on doit les emmener au temple le jour des prémices. Mm-hmm. Ils doivent être consacrés. Oui. Il veut dire que là, nous avons la clé de savoir Christ, à 40 jours, c'était quelle époque? C'était quelle date? Quand il est né. Lorsqu'il avait 40 jours. Mm-hmm. C'était le jour des prémices. Qui veut dire qu'il est né 39 jours avant les prémices. Oui. Qui veut dire
Lorsque on nous dit qu'on ne peut pas savoir la date de naissance du Christ, c'est faux. Parce que tous les théologiens, ils savent que les prémices, c'est à la Pentecôte. Alors, je peux vous montrer qu'ils le savent parce que... comment je vais voir, est-ce que je peux vous montrer ça? Et on va revenir dessus. Je vois si j'ai le dictionnaire pour vous. Voici. Alors, est-ce que j'ai le dictionnaire là? Voilà. Alors, prémisse en hébreu, c'est bio. Je vais essayer d'agrandir pour vous. Hein. C'est, pour ceux qui sont en télé, ils peuvent voir bien. Bukon. Hein? Alors, là, c'est le mot en hébreu. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'ils mettent? Alors, la définition de Bukon. Définition en hébreu. Prémisse. Premier fruit. Alors, je mets là, voilà. Là, on voit mieux. Premier fruit. Attends. Là, maintenant, c'est bon. Premier fruit de la récolte. Dès leur maturité. Rassemblé et offert à Dieu selon un cérémonial rituel. À la Pentecôte. À la Pentecôte. On ne peut pas me dire, celui qui écrit ça, ce n'est pas un exégèse, c'est un théologien. Le pain fait avec la farine des premiers épis, le jour des prémices, Pentecôte. Qui veut dire que je ne suis pas le seul à dire. Et ils ont raison. Les prémices, c'est le jour de la Pentecôte. Les prémices, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne sais pas si vous voulez réagir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous voulez réagir ou pas? Alors, cela est confirmé dans le livre de Jubilé. Nous n'allons pas lire tout. C'est de le chapitre 6. Hein, vous pouvez lire ceux qui ont allez sur mon Facebook, vous allez voir tous les textes a été publié. Alors, mais nous allons nous arrêter seulement au verset. Nous allons nous arrêter au verset 14. Lorsque Noé, après le déluge, le Seigneur, il a fait l'alliance avec le Seigneur. Ah ben, c'était le jour des prémices. Parce que les prémices existent depuis avant Noé. Alors, nous allons voir juste que, depuis quand les prémices existent. Verset 14. Et pour cette loi, il n'y a pas de limite de jour, car elle est perpétuelle. Ils l'observeront de génération en génération, afin qu'ils continuent à invoquer ta faveur avec du sang sous l'autel. Chaque jour, le matin et le soir, ils demanderont pardon en ton nom, à perpétuité devant le Seigneur, afin qu'il l'observe et ne soit pas déraciné. Alors, c'est le verset 15 à 17. Puis donna à Noé et à ses fils un signe attestant qu'il n'aura plus de déluge sous la terre. Il plaça son arbre dans les nuages comme signe de l'alliance éternelle. Voilà, la première chose, lorsque le Seigneur met l'arc-en-ciel, c'est pour rappeler cette alliance. Hein? Nous avons vu que c'est ce jour que le Seigneur fait alliance avec Israël. Mais nous allons voir que des siècles avant, c'est ce jour-là que le Seigneur a fait alliance avec Noé. Et il a donné à Noé l'ordre de ne pas manger de sang ni de graisse de l'animal, mais il peut manger sa chair. À le verset 16, qu'est-ce qu'il nous a dit? Pour qu'il n'y ait plus de déluge sous la terre, qu'il la détruise tous les jours de la terre. Pour cette raison, il fut ordonné et écrit sous les tablettes célestes de célébrer la fête des semaines dans ce mois, une fois par an, en vue de renouveler cette alliance chaque année. Il dit de faire la fête des semaines, et un peu plus bas, il dit,
verset 19. Cependant, Abraham la célébra, Isaac, Jacob et ses fils la célébrèrent également jusqu'à tes jours, et de ton temps, les fils d'Israël l'oublièrent jusqu'à que vous la célébrez à nouveau sous cette montagne. Parce que c'est le Seigneur qui parle à Moshe pendant les 40 jours sur la montagne. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Car la fête des semaines. Car c'est la fête des semaines et la fête des premiers fruits des prémices. Cette fête est double et d'une double nature. Célébrez-la selon ce qui est écrit et gravé à son sujet. Amen. Tu veux dire, la fête des prémices, c'est à la Pentecôte. Amen. Et la fête des prémices, ce n'est pas parce qu'on change de calendrier que le calendrier des fêtes de l'Éternel, ça change. Que vous soyez en Arabie Saoudite, quel que soit où que vous êtes, les fêtes de l'Éternel restent le même calendrier. Amen. Amen. Alors, qui veut dire que la fête des prémices, c'est le jour que Christ a été présenté à Jérusalem. C'est le jour que Moïse a fait l'alliance avec Israël. C'est le jour qu'Abraham a fait alliance avec... Abraham aussi, mais nous n'allons pas prendre le texte d'Abraham. Noé a fait alliance. Mais c'est aussi le jour, la première fois qu'on parle des prémices dans la Bible. La première fois qu'on parle des prémices dans la Bible. Alors, la première fois, alors c'est du temps Abel et Caïn. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Abel et Caïn. Alors, je cherche pour vous. Oui, oui. Abel et Caïn, ils ont offert leur offrande. Mais on pourrait se poser la question, mais pourquoi le Seigneur n'a pas accepté l'offrande de Caïn? Alors, je cherche pour vous que j'ai mis ça. Alors, je vois, peut-être c'est après. Voilà, c'est là. Alors, c'est dans le livre des Justes, hein, de Yafet, qui nous donne cette précision. Or, au bout de jours de l'année, ils offrirent, c'est-à-dire Caïn et Abel, chacun une offrande à Elohim. On connaît cette histoire dans la Genèse. Caïn offrit des fruits de la terre et Abel offrit ses plus belles et plus grasses brebis. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse. Elohim se tourna vers l'oblation d'Abel et l'agréa, mais il ne regarda point, hein, il n'a point regardé ni agréa l'oblation de Caïn, car il avait offert à Elohim, et ça, le livre de la Genèse ne nous dit pas, il ne donne pas la raison, et là, ce livre-là, des Justes nous donne la raison pourquoi le Seigneur a refusé du rebut des fruits de la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le rebut? Ça veut dire qu'il a donné les vieux fruits. Et à cause de cela, Caïn jalousait son frère Abel, il cherchait un prétexte pour le tuer. Qui veut dire que les prémices, offrir les premiers fruits, offrir les premiers nés, c'est quelque chose qui remonte depuis après que l'homme soit chassé du jardin. Qui veut dire que c'est l'une des plus vieilles fêtes de la Bible. La fête la plus ancienne, c'est laquelle? C'est le Shabbat. Et la deuxième fête la plus ancienne, c'est les prémices. Et du temps de Noé, cette fête est devenue une double fête. Nous fêtons la Pentecôte. Nous pensons premièrement aux apôtres qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant on dit les Pentecôtistes. Mais est-ce que nous avons compris que c'est plus profond que ça? Ça remonte depuis l'époque de Caïn et Abel. Qui veut dire que Caïn, lui, il a offert les vrais fruits. Les prémices, ça veut dire que tu donnes le meilleur. Alors, il y a un texte que je ne vous ai pas fait voir parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Mais Israël, on lui demandait de fêter les prémices parce que
lorsqu'il a pris possession du territoire de Canaan, c'est Elohim qui lui a donné le territoire. Pour se souvenir qui lui a donné ce territoire, parce qu'il n'a pas acheté ce territoire avec le prix de son argent. Ce territoire lui a été offert gratuitement. Et en retour, par reconnaissance à Elohim, cette terre qui lui a été donnée, chaque année, il doit offrir la première gerbe. Le Seigneur ne lui demande pas d'offrir tout son champ, juste la première gerbe. Et aujourd'hui, on voit que certains ont détourné les prémices. Ils vous disent, il faut offrir votre premier salaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le mois de janvier, il faut ramener le premier salaire pour ton père spirituel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, Dominique. Si, ça te va. Et le Seigneur dit... Le 1er janvier. Mais souvent, quand les gens commencent à travailler, dès ton premier salaire, c'est ce qu'ils disent, hein? Dès ton premier salaire, il faut l'emmener. Dès que tu as trouvé un travail, le premier salaire, il faut amener ça pour l'église, quoi. Mais est-ce que tu penses, ceux qui disent cela, est-ce qu'ils ont fait la petite étude qu'on vient de faire là, est-ce que tu penses qu'ils ont étudié ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est comme je disais un frère, ça c'est de la merde. Non, non, mais là, on voit très bien qu'il y a un moment mieux précis, quoi. Quoi? Attends, finis Jacques, et puis Dominique va prendre après. Finis Jacques. Attends, Dominique, Jacques va finir et puis tu vas prendre après. Vas-y, Jacques. Je disais donc, comme je disais à un frère, c'est de l'arnaque, quoi. Mais oui. Voilà. Il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà, oui, c'est de l'arnaque. Parce que du moment qu'il y a de l'argent, eh bien, on fait retour à la Torah, hein? Mais on met la Torah dans notre sens. Et là, je ne vous ai pas fait voir tous les textes, mais qui montrent que c'est un sacrifice. Par exemple, pour Caïn et Abel, Caïn, ça a été consumé. Hein? On nous dit que ça a été consumé. Ça veut dire que tout est à l'éternel. Mais celui, disons, Abel, son sacrifice a été consumé. Consumé, ça veut dire que ça devient de la cendre. Et comme ça, toute la fumée, tout le parfum monte vers l'éternel. Tandis que celui de Caïn n'a même pas été regardé. Qui veut dire que toutes ces prémices que l'on fait, qui ne sont pas autant fixées, qui sont fixées par les hommes, le Seigneur ne regarde même pas ton offrande. Il regarde les offrandes qui sont faites comme Abel. Il donne le meilleur. Parce que Caïn, qu'est-ce qu'il s'est dit? Parce que comme c'est une offrande consumée par le feu, il s'est dit, je ne vais pas donner mes meilleurs fruits. Parce que à quoi ça sert de donner des fruits qui brûlent? Je préfère garder. Le Seigneur ne mange pas. Le Seigneur n'a pas une langue pour prendre le goût, pour voir si c'est sucré, si c'est sûr. Il dit, bon, l'essentiel, c'est d'offrir un fruit. Eh bien, lui, il offrait les plus mauvais fruits. Mais tout était consumé par le feu. Tout était pour l'éternel. Il n'est jamais été dit de le ramener pour ton père spirituel. Ton père, c'est ton père qui est dans le ciel. Et souvent, on oublie pourquoi le Seigneur disait aux disciples, n'appelez personne père si ce n'est celui qui est au ciel. Parce que l'homme a tendance à prendre la gloire du Seigneur pour lui. Alors, Dominique, je ne sais pas si tu voulais intervenir. Jacques, vas-y, Jacques. Non, ça va. Vas-y, Dominique. Vas-y, Dominique. Oui, bah, écoute, non, mais par rapport à ça, mais tout a été dit. Hein. Non, mais c'est quand on voit qu'effectivement, il y a un jour, il y a une période bien précise, quoi. Bien précise pour des prémices. Donc, ça ne se fait pas comme ça ne s'apporte pas comme ça, quoi. Donc voilà, c'est ce que je retiens. Qui veut dire, en gros, à la Pentecôte, je suis celui qui suit, quoi.
À la Pentecôte, c'est à ce moment-là qu'on doit faire À la Pentecôte, voilà. Mais là, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais pour vous montrer aussi, ça. Même la Pentecôte, chez les chrétiens, ne sont pas fixés au bon moment. Parce que ce sont les 7 semaines qui suivent la fête des pains sans levain. Parce que ce n'est pas pendant... Le premier Shabbat n'est pas dans la fête des pains sans levain. Parce qu'il est dit ne pas manger d'épi, de ne pas manger de pain. Pendant la fête des pains sans levain, on mange du pain. On mange du pain pendant la fête des pains sans levain. Alors, qui veut dire que c'est après la fête des pains sans levain qu'il faut commencer le décompte des 7 Shabbats. C'est pas, il ne faut pas compter le Shabbat de la fête des pains sans levain. C'est pourquoi certains disent que Christ est ressuscité le jour des prémices, c'est faux. Parce qu'il est ressuscité pendant la fête des pains sans levain. Qui veut dire que le jour qu'on balance la gerbe, on n'a pas le temps de voir tout ça aujourd'hui, c'est dans Lévitique 23, le jour qu'on balance la gerbe, ce n'est pas le jour des prémices, c'est le 50e jour qui est le jour des prémices. Amen. Mais excuse-moi, Jean-Luc, mais est-ce que les prémices doivent être faites uniquement à la Pentecôte? Oui, parce que c'est le jour, parce que c'est un souvenir. C'est un souvenir. On se souvient, avec les Juifs devaient se souvenir que le Seigneur leur a donné cette terre. Et pareil pour Caïn et Abel, ils se rappellent que c'est ce jour-là que tout pousse, tout ce qui vient de la terre vient d'Élohim. Voilà. C'est un jour qu'on doit marquer parce que ce jour-là doit être une fête. Parce que si tu fais tous les jours, tu ne peux pas faire la fête tous les jours. Et comme ce jour-là doit être un jour de fête, il faut que tout le monde, le même jour, se rassemble et qu'on puisse faire la fête. Mais chacun ne peut pas faire la fête dans son coin. Sinon, on ne peut pas faire une fête. Mais il faut que ce soit quelque chose de mémorable. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse faire ensemble. Vas-y, Jacques. Est-ce que dans ce sens, il n'y a pas plusieurs prémices? Parce que, c'est-à-dire les prémices, comme ils font souvent à l'église, les prémices du travail, de ton salaire, du travail, les prémices des souvenirs, par exemple, et puis les prémices concernant les premiers-nés, quoi. Mm-hmm. mais on voit qu'il est dit les premiers-nés et les premiers fruits. Et comme ce jour-là, c'est un jour de Shabbat, parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste faire prémisse. Ce jour-là, tu ne dois pas travailler. Tu comprends? Alors, le Seigneur ne peut pas imposer une fête et puis que chacun prend, arrête son travail. Parce que c'est un jour de Shabbat, tu vois? C'est un jour que tu ne travailles pas. C'est ce qui est dit dans le livre de Lévitique, hein, bon, on ne l'a pas vu, qui veut dire comme c'est un jour qu'on ne travaille pas, il fallait que ce soit quelque chose qui se fasse en commun. Ce n'est pas chacun dans son coin. Et tous les prémices étaient au même moment. Et là, je n'ai pas le temps de vous montrer qu'il y a certains qui faisaient, comme tu dis, des prémices, plusieurs prémices, au moins 4 fois des prémices. Voilà. Mais on n'a pas le temps de voir tout cela. Amadi, tu veux réagir ou pas? Elle n'est pas là, je ne vois pas. Attendez, je vais mettre. Ah, peut-être elle a eu. Là, tu m'entends? Tu m'entends? Là, maintenant. Oui. Okay. Non, j'ai dit par rapport à nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire, nous, on a quoi à présenter au Seigneur? Voilà. La collecte. Pour moi. Non. Les dîmes. Non, c'est différent. Pour moi, non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des dîmes. Les dîmes, c'est clair. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour moi, les prémices, maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas. Ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre. C'est pas la même chose. Mais en tout cas. On n'est pas des agriculteurs. Voilà. Même si on n'est pas des agriculteurs. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est comment aujourd'hui on peut faire cette fête? Déjà, Amen. Par exemple, c'est bien, je suis au courant que le début de l'année, ça va être à la fête des prémices. D'accord. Au printemps. Comment on va fêter? Pour moi, c'est de donner au Seigneur un sacrifice de louange, un cœur
qui est vraiment sincère et de reconnaissance à Dieu, une louange qui fasse un parfum de bonne odeur au Seigneur. C'est ça mon holocauste. Mm-hmm. Amen. Oui, mais ça, tu peux le faire toute l'année. Mais ça, tu peux le faire toute l'année. Oui, je peux le faire toute l'année, mais ce jour-là, je vais penser à ces faits-là qu'on va relater, qu'on va se souvenir depuis le début de ce qu'il a fait pour le peuple, etc. Moi, je pense que c'est ça. C'est un temps de témoignage, de reconnaissance et de rappel, un travail de notre mémoire, puisque tous les jours, tu ne te rappelles pas, ah, le Seigneur a fait ça pour le peuple d'Israël, tous les jours, ah, il avait fait ça, il a sorti d'Égypte. Moi, je pense que ce jour-là, c'est un jour mémorable et c'est pour ça que pendant les fêtes, pour moi, je dis qu'il faut avoir les signes, les objets qui rappellent les choses, on met des objets qui rappellent, voilà, ça rappelle ça, ça rappelle ça. Enfin, c'est comme ça que je vois ça. Mmh. Il faut animer la fête avec les objets qui représentent le souvenir de ce que Dieu avait fait. Mmh. Alors, moi, je pense... Vas-y, Jacques. Oui, non, selon ce que... c'est Riol, ce que Riol a dit. Oui, oui. Est-ce que c'est nécessaire, effectivement, d'avoir les objets pour fêter, quoi? Est-ce que c'est nécessaire? Non, pas du tout. Mais quand on fait une fête, on fait des décors, on fait des choses. Quand tu fais une fête, ça veut dire que tu transformes ton environnement pour que ça soit joli, pour que ça fasse festif. Ah, oui. Donc, au lieu d'aller mettre des sapins de Noël et puis des boules, ou bien je ne sais quoi, on met un chandelier, on met des choses qu'on a qui nous rappellent. Ou si on n'a pas, ben, ce n'est pas grave. Mais on peut faire les pains. On peut faire les choses qu'on mangeait dans ce temps-là. Donc, moi, c'est ce que je pense. C'est une façon de fêter. Voilà, c'est tout. Moi, je pense aussi, comme Jacques parle d'objets, pour contrecarrer ce que font certaines églises aujourd'hui, ils te demandent d'emmener tout ton salaire. Parce qu'on voit que les prémices, c'était juste la première gerbe, hein. J'essaie de prendre pour vous un truc comme ça, voilà. Pour ceux qui sont à l'écran, voyez les gerbes là. Mmh. Voilà, c'était ça qu'on emmenait pour le prêtre. Il balançait et 50 jours, le 50e jour, on venait offrir ses prémices. Alors, moi, ce que je pense, c'est on peut faire, c'est offrir non pas le premier salaire comme demandent les pasteurs futurs de nos frères africains, mais je pense que juste ta première journée de travail, tu peux dire que j'offre au Seigneur à la date de Shavuot comme offrande une journée de travail. Comme ils font maintenant, Jean-Pierre Raffarin avait demandé qu'on puisse... pendant le jour de la Pentecôte, ceux qui travaillent. Voilà. De solidarité. Jusqu'à présent. Voilà. Hein. Quoi? Jusqu'à présent, ça se fait. Voilà. Qui veut dire que. Le jour de la solidarité, quoi. Voilà. Sans savoir, il est inspiré par la vraie signification de Pentecôte. Exact. Il n'a pas choisi la Toussaint, mais il a choisi Pentecôte. Et c'est vrai qu'on nous demande de travailler une journée pour rien, mais quand on n'a pas le temps, mais on va voir que ce jour-là, c'est vraiment une journée de solidarité. Parce que ton champ n'est plus à toi. Les étrangers peuvent se servir. C'est bon. Ouais, ouais. Qui veut dire que c'est quelque chose de profond. C'est pas chacun veut faire. Non, il faut que ce soit quelque chose de commun. Et puis, c'est le jour que mon champ est là, même si je suis propriétaire. Mais ce jour-là, un étranger, n'importe qui a le droit de venir se servir mon fruit à pain, d'aller prendre ma plus belle mangue. Ah, j'en connais beaucoup qui seront contents. Mais c'est ça que Caïn n'a pas aimé. Donner ce jour-là le meilleur de ses fruits. Ouais. Le meilleur, quoi. C'est le meilleur. Alors, c'est une fête de solidarité. Tu vois, c'est une fête de solidarité, de générosité.
Voilà, là, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que nous sommes sous la grâce. Il y a quand même des différences. On ne peut pas se mettre à faire les choses comme les Juifs exactement le faisaient et tout. Et puis, on n'est plus dans ce temps-là. On n'est plus dans les conditions non plus pour faire ce genre de choses. Mais ce que tu dis là est très important parce que le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. OK? Et le deuxième est tellement important aussi, c'est que... tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le fait de aimer notre prochain et d'aller vers justement les étrangers, faire du bien aux autres, c'est quelque chose qui démontre notre amour pour Dieu. Et en aimant notre prochain, nous aimons Dieu, puisqu'il n'a pas besoin de... Aujourd'hui, enfin, on le sait bien, le Seigneur n'a pas besoin de nos fruits, nos premiers-nés, il n'a pas besoin de tout ça. Tout est à lui. Maintenant, on lui a tout donné. Nous sommes sous l'alliance. Ce qui est à lui, ce qui est à nous est à lui. Ce n'est pas seulement la dîme qui est à lui. Moi, ce n'est pas seulement 10% de mon argent qui est au Seigneur. C'est tout mon argent qui est à lui. Et par rapport au Saint-Esprit, il me dit ce que j'en fais. Et ce que Dieu veut, c'est que nous aimons notre prochain. Au lieu de dire, ah oui, j'aime Dieu, et tu ne donnes rien à ton prochain, tu fermes tes entrailles parce que par la loi, tu as donné ce qu'il fallait à Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Mmh. C'est-à-dire que tu dois te dire que tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Alors, ce jour-là, tu partages avec ce que le Seigneur t'a donné et ça allait jusqu'à ton terrain, les propriétaires et jusqu'à maintenant en Israël. Pendant les périodes de Shavuot, les gens se servent. Les gens se servent. C'est bien ça. Bon, je ne sais pas comment on fait. En tout cas, moi, je fais ça. Je fais la fête tout le temps parce que moi, je partage. Dès que j'ai quelque chose, j'ai des gens qui n'ont pas à qui je partage. Oui, je vais leur donner. Mais Madi, tu parles. Je suis d'accord avec Riol. Je suis d'accord avec Riol. D'abord que... Normalement, il ne faut pas attendre la Pentecôte pour partager. Ah non, partager c'est tout le temps. Hein. Dès que oui, tu mais, as, tu mais Jacques, les autres périodes de l'année, tu entres dans le jardin de quelqu'un sans lui demander et tu prends un fruit, c'est un vol. C'est juste d'accord. Cette période-là, tu as le droit de ne pas demander, tu as le droit de te servir. D'accord. Oui, okay. Oui nous, on peut dire c'était, mais maintenant, ce n'est plus. Maintenant, ce n'est pas comme ça. Donc, la question, elle reste toujours là. Comment fêter? Mais ça devrait être. Non, mais la question, elle est bonne. Bon, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir la répondre. On va continuer sur le fond, sur les réseaux sociaux. Juste une pensée qui est très importante qui me vient aussi, que la Pentecôte, je te rappelle comment, quand il y a eu la Pentecôte, comment les chrétiens, ils partageaient tout. Leur terrain, mais c'est tout, cet esprit-là. C'était tous les jours, c'est les prémices. Puisqu'il n'y avait rien qui était à personne. Tout était à tout le monde, mais c'était tout le temps. Il n'y avait rien qui était à personne. Moi, je trouve ça génial. C'est parce qu'ils avaient cette culture-là. Oui. Tout à fait. Oui, ils avaient déjà la culture des prémices, donc ce n'était pas difficile après de faire tout le temps. Alors, mais déjà, il faudrait qu'on... Oui, pour aussi, bon, c'était... Vas-y, Dominique. On n'a pas compris ce que tu as dit. Oui, je disais que... Oui. Je disais que c'était aussi une autre époque. C'est pas à l'heure actuelle ce qui se faisait avant. On peut pas, c'est vrai qu'on peut pas le faire actuellement. Pareil. On peut pas tout transfigurer, mais c'est-à-dire on peut garder l'esprit. On peut garder l'esprit. C'est ça. Surtout qu'il a dit que c'est une alliance qu'il a fait. C'est fait parce qu'il a fait une alliance, quoi. Donc, effectivement, ils sont toujours là, quoi. L'alliance est éternelle. On est toujours sur la grâce, Alors, nous allons conclure parce que je crois que j'ai dépassé l'heure. Et il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre, qui doit... Il y a une autre émission qui commence. Alors, en gros, les prémices existent depuis du temps de... Depuis quand l'homme a été chassé du jardin. Ou peut-être même depuis que l'homme a été créé, si moi Adam offrait dans le jardin ses prémices,
Peut-être qu'il n'offrait pas les animaux, mais au moins les premiers fruits. Et on a vu que ça a continué avec Caïn et Abel. Avec Noah, le Seigneur a renouvelé son alliance. Mais ce jour-là, il lui a dit que cette fête des prémices deviendra une double fête. Et en souvenir de cela, c'est pourquoi il y a l'alliance, l'arc-en-ciel lorsqu'il pleut, hein, en souvenir de ses prémices et en souvenir du déluge. Et on voit aussi, mais pour Abraham, ça a été pareil. Hein, c'est le jour qu'il a fait l'alliance avec Abraham et qu'il est passé entre les morceaux. C'était la même époque, le troisième mois, au milieu du troisième mois. Avec Moshe, c'est le même jour qu'il a fait l'alliance avec Israël. Et Christ a été présenté au temple le jour des prémices et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour des prémices. Alors, qui veut dire qu'on ne peut pas... C'est toujours des jours d'alliance. C'est toujours un moment d'alliance. Ouais, c'est pas n'importe quel jour. Oui. C'est un moment d'alliance précisément au cours au cours des siècles dans la Bible. C'est les moments les plus importants. Le moment de l'alliance avec Abraham, on l'a pas vu, mais c'est le moment de l'alliance avec Abraham. Noé, qui est le père de toutes les nations, et qui veut dire que on ne peut pas cracher sous cela, on ne peut pas passer sous cela, décider, bon, on va faire prémisse telle date, on va faire prémisse telle date, du moment que ça va faire entrer un peu d'argent dans les caisses. Non, il faut qu'on sorte de cet esprit égoïste, mais entrer dans l'esprit de la reconnaissance. Oui. Que la première des choses va à celui qui nous a donné. Et celui qui nous a donné, ben c'est le Seigneur. Oui. Amen. Mm-hmm. Eh ben, je te laisse prier, Madi, pour finir. Hein? Amen. Seigneur, toi qui es le premier, l'aleph et le taf, toi qui nous parles, Seigneur, nous fais comprendre c'est quoi être le premier, c'est quoi donner les premières choses, les prémices, Seigneur. Nous essayons de comprendre ce que tu nous dis et nous te remercions parce que ton nom est digne de respect, digne de louange, digne de gloire. Tu es unique, Seigneur. Personne n'est comme toi. Et nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, des enseignements qui nous rapprochent de toi et qui nous permettent de mieux te connaître. C'est ça le but, Seigneur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, que toute la gloire te revienne et que ton nom soit béni dans nos bouches, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans nos fêtes, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, soyez bénis richement. Nous allons vous laisser en musique, hein, au Shabbat prochain nous allons continuer, nous allons parler la semaine prochaine, quand commencent les jours, quand commencent les semaines et quand commencent les mois, les années et les saisons. Voilà, il était important parce que les mois, on voit souvent que sur les réseaux sociaux, ce mois de décembre, mais quel signe nous avons dans le ciel pour nous dire que c'est le début du mois? Alors, toutes ces choses, nous allons voir si effectivement on est au début du mois ou c'est juste des illusions comme pour les prémices que certains font maintenant. C'est comme les prémices de Caïn, ce ne sont pas des prémices qui sont agréables au Seigneur parce que le temps de la maturité n'est pas encore arrivé. Il faut attendre le temps de la maturité. Ne soyons pas pressés, attendons le temps de la maturité. Amen. Amen. Alors, soyez bénis richement dans le nom puissant de Yeshua. Alléluia. Merci, 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 merci. Merci. Amen. Alors, si vous voulez dire un mot à la fin, dit chaque personne. Merci. 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 Mais soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour l'enseignement, pour ce qu'on a appris. Ok, amen. Amen. Merci. Amen. Allez, bon. Amen. Soyez bénis. Amen. Yeshua, tu es le maître du ciel. Tu es parti prendre les clés à l'Hadès. Tu as su me redonner de la valeur en me montrant, oui, toute ta grandeur. Tu n'as pas su regarder à mes œuvres, tu as plutôt regardé à mon cœur. C'est pourquoi maintenant je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut.
Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Nous avons remarqué qu'il y a un peu de compas. Yo pour mettre que mon Dieu fait, elle est toujours qui me parole. Mille amis de me tomber à gauche, 10 000 ennemis tomber à droite. Moi pas que on y est pour faire, parce que mon Dieu c'est protection. Moi, ma chaîne en mitoyon avec Jésus m'a fait passer.